bien chères sœurs, mes bien chers frères. Orchestral Manoeuvre in the Dark, Echo and the Bunny Men font très certainement partie de cette nouvelle musique anglaise que certains spécialistes se prêtent à appeler New Wave, plus simplement Nouvelle Vague. Il était temps, en effet, que cette New Wave, Nouvelle Vague, puisse apporter son sang nouveau au rock d'aujourd'hui qui avait légèrement tendance à s'engluer dans les super productions américaines sirupeuses, un tantinet, style Toto et Eagles. L'Angleterre, au bord du gouffre financier et du crack économique, a produit cette nouvelle musique qui, actuellement, grimpe dans les hit-parades et extrait les dollars des poches des Américains pour les transformer en livres sterling. Nous allons donc vous donner un exemple tout de suite avec Echo and the Bunnymen dans Heads Will Roll pour rester dans notre thème d'aujourd'hui. Les têtes rouleront. Et puis ensuite, Gods will be gods. Les dieux seront des dieux. Echo and the Bunnymen. What?
Yeah.
Les Blancs n'ont pas le monopole des histoires bizarres autant qu'étranges. L'Afrique, elle aussi, a ses raconteurs de sorcellerie et d'envoûtement. Et les griots sont chargés de transmettre de bouche à oreille, pendant d'énormes fêtes, ces aventures extraordinaires et ces personnages hauts en couleur. C'est pour cela que nous allons vous présenter maintenant Mandingo Griot Society. La musique africaine, aujourd'hui dans le rock, prend de plus en plus d'importance. Elle a beaucoup marqué et influencé des gens comme Talking Heads.